Bonjour chers élèves, le cours d'aujourd'hui c'est la mécanique des fluides. Ce cours est destiné aux élèves de la deuxième année BAC, sciences et technologies mécaniques. L'unité c'est la conception et la fonction c'est alimenter en énergie mécanique, hydraulique. Le produit support qu'on va voir aujourd'hui c'est un chariot élévateur à trois roues. Les compétences à développer, à la fin de cette séance, vous serez en mesure d'identifier les éléments d'une installation hydraulique et vous allez aussi en mesure de justifier le choix d'une pompe hydraulique. Le sommaire, la présentation du système, on va présenter le système, puis le fonctionnement, rappel hydrostatique, cinématique des fluides, dynamique des fluides. Parfait. Voilà, on commence. Donc, la présentation. L'évolution du transport de la marchandise fait croître chaque année le besoin en chariot de manutention, comme vous voyez sur l'image. Donc, vous avez une charge ici qu'on doit soulever grâce à un chariot. Pour mettre en situation le problème, une société spécialisée en matériel d'entreprise, destinée principalement au chargement et déchargement de palettes, souhaite faire évoluer le produit pour développer un chariot élévateur trois roues, comme vous voyez sur la figure, ayant sensiblement la même conception que le chariot actuel, qui ne peut soulever, déplacer et déposer qu'une charge maximale de 1250 kg d'une position initiale à une position finale. Voilà le chariot. Le fonctionnement, donc avant de commencer, il faut voir, avant de toute étude d'amélioration des performances, il est utile de comprendre d'abord le fonctionnement du nouveau chariot élévateur à trois roues et celui de ses différents organes, en particulier le mécanisme de soulèvement de la charge. Le cycle de référencement pour le chargement et le chargement des charges est composé de trois étapes. Alors la première étape, soulever la charge, déplacer la charge, puis déposer la charge.